Donc le magnétomètre, il y a deux parties. Il y a cette partie effectivement électronique, boîtier de commande et l'autre, donc on va voir les branchements. Et l'autre partie, c'est la sonde. C'est la sonde qu'on promène, qu'on va traîner derrière, qui met en contact ce qu'on appelle le poisson, qui est donc le détecteur qui envoie une onde et qui la récupère après pour la transmettre ici, pour savoir effectivement quelle est la variation du champ magnétique au fond. Donc, première chose, brancher la batterie, ça se branche ici, sur le 12 volts. Hein. C'est une batterie de voiture, 12 volts, traditionnelle. Donc, il y a des trompeurs, hein. Je crois qu'il va être calé. Branche là, on revisse, comme ça. Ici, c'est la sonde, ce qu'on appelle probe, c'est la sonde qui se branche, hein, la prise de la sonde qui se branchera là-dessus. Là pour l'instant on ne va pas la mettre parce qu'on la sortira cette après-midi en détection. Ensuite, l'autre prise dont on se sert, c'est celle-ci, pour brancher directement le boîtier sur le PC, sur l'ordinateur. Là pour l'instant on ne va pas la mettre non plus. Donc là voilà. Voilà le boîtier. Donc on a plusieurs boutons. Mise en marche. Power, c'est celui-ci. Il a pris le jus, c'est bon. On a l'autre bouton, c'est celui-ci, qu'on règle en fonction du magnétisme terrestre, du magnétisme au fond. Puisque suivant le magnétisme terrestre évolue, varie. Donc effectivement, à chaque fois, pratiquement tous les ans, on est obligé de rechercher la zone pour bien se caler. Donc là, cette année, on est sur J. J ou même K, on était sur K. Donc ça, c'est pour caler effectivement la zone du magnétisme terrestre. La portée. Comme on cherche des petits objets, peut-être une encre, hein, ou un canon, on reste sur le 1 x 1. Hein. Si on cherchait une épave ou quelque chose de plus gros, on se mettrait en x 10 par exemple. Hein. Là, on reste en x 1. La polarité. La polarité, c'est le nombre de battements à la seconde. Donc là, on est sur 0,5. Ça veut dire qu'on a deux battements à la seconde. Et sinon, je me mets sur un battement à la seconde, deux battements à la seconde, etc. Pour une recherche de petits objets, on reste sur 0,5 aussi. L'alarme, alors ça, on règle en fonction de la déviation qu'on va avoir ici, sur cette aiguille-là. On va la régler à 20, ça suffit, alarme à 20, voilà, le volume toujours au maximum. Donc là, les boutons sont réglés. Les cadrans, là, ce cadran-là, il est important, parce que tant que l'aiguille tant que le magnétomètre n'est pas calé, ce qu'on appelle calé par rapport au magnétisme du fond, l'aiguille ne sera pas sur 0, il faut qu'il vienne se caler sur 0. Et ensuite, c'est elle qui, par ses déviations, nous donnera l'amplitude du magnétisme au fond et du signal. Et là, donc, on aura le niveau du signal, c'est pareil. On va avoir les battements. On va avoir les battements de l'aiguille au fur et à mesure du déplacement de la sonde par rapport au fond. L'idéal, c'est d'avoir un signal level autour de 5, proximité de 5. 5, 6. Donc, voilà. Donc, cet après-midi, on verra. Cet après-midi, on immergera la sonde. On fera du magnétomètre devant la mine là-haut. Il y a déjà 3,60 m là à peu près. Ouais, mais comme il tire en biais, 3 mètres, ouais, 3 bras, ça va être 3 bras, ça va être. Pour pas qu'on ait des feux mobiles.
toujours la zone où on est. Donc j'ai un autre 3-2 en ligne droite. Hein. 3-2 en ligne droite. En essayant d'éviter la pointe. Vous voyez, 3-2 ça suffit. Là, la pulsion de signal n'est pas suffisante. Donc j'essaye, je vais jouer sur le AeroTune pour obtenir un signal qui va entre 5 et 10. Il envoie une impulsion. La réception, le bip, c'est la réception. Voilà. Et là, celle-ci, la déviation, elle est calée. Donc quand il y aura une déviation brusque d'un côté ou de l'autre, c'est compression du métal. Ah, ça y est, c'est calé ? Ouais. Là, il est calé. Là, il fonctionne. J'arrive à avoir un signal plus fort, mais... Ah si, là, tiens. Le signal est un peu plus fort. C'est comme ça. Le signal n'est pas génial quand même, c'est vrai. Alors le problème qu'on a effectivement, c'est d'arriver à équilibrer la traction, la fond de traction, ouais, avec la hauteur de la sonde par rapport au fond. Normalement, il faudrait qu'on soit à 2 mètres au-dessus du fond. Comme ici on a des grosses roches qui remontent, ouais, on risque de toucher. On n'aura pas mieux que ça comme signal. Et donc quand tu as un vrai truc métallique, c'est que ça décline d'un côté, voilà, ou de l'autre. Maintenant, il va falloir prendre de quoi noter. Du coup, il n'y a rien. On va noter à la fois la position GPS et la déviation. Et la déviation. Attention.